Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire le premier tirage de l'année. Donc nous sommes le 1er janvier 2023. Je redis à tous ceux qui ne m'ont pas entendu la première fois, bonne année 2023. Que la joie, l'amour et tout ce que vous méritez arrivent à vous, hein, grâce à la loi de l'attraction aussi, on peut lui demander. J'ai envie de prendre une carte des maîtres ascensionnés aujourd'hui pour voir quel maître ascensionné nous conseille, nous donne un petit message. Et on va rester concentré. Alors, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo de 2023, hein, l'année des vœux, que nous sommes accompagnés, nous avons été accompagnés jusqu'à la fin de l'année. Alors, pas pile-pile, hein, ça varie, mais jusqu'à cette fin d'année, nous avons été accompagnés par l'archange Métatron qui protégeait justement toutes ces énergies négatives qui ont vraiment perduré de 2020 à 2022. Là, on en sort. Et on en sort pourquoi? Parce qu'on a l'archange Uriel qui nous apporte la flamme, la lumière divine. Il nous éclaire. C'est de la lumière donc très, très blanche, lumineuse, mais qui n'éblouit pas. Donc, et cette lumière vous apporte un bien-être et une harmonie, une douceur, une paix intérieure. Donc, c'est cette flamme de l'archange Uriel que nous allons, cette lumière divine, que nous allons accueillir pour ce mois de janvier. Et il va rester, je pense, toute l'année sur nos têtes, au-dessus de nous. Ils sont les archanges, ils nous protègent. Moi, je l'ai ressenti déjà depuis cette fin de la dernière semaine de l'année, là. Je l'avais déjà un petit peu ressenti avant, mais là, c'est vraiment Uriel qui prend la place, on va dire, de Métatron. Alors, ça ne veut pas dire que Métatron n'est plus là, ça veut dire que, voilà, on change d'énergie et Uriel, c'est plus maintenant, allez, on avance dans la lumière, on a la flamme en nous, on a l'espoir, on a l'amour universel en nous, on a l'amour, les êtres humains dégagent des vibrations d'amour. Donc, ça plaît pas à tout le monde, vous comprenez? Donc, il faut continuer à prôner l'amour, la bienveillance, la douceur, l'harmonie, la joie, etc. pour justement contrer tout ça. Et il y a des choses qui sortent, donc vous verrez, alors quand on parlait il y a encore un an et demi ou un an de révélation, il y en a tous les jours, on peut le comprendre, on peut le voir, celui qui le voit pas, c'est celui qui veut pas voir, parce qu'il y a quand même des médecins qui ont été réintégrés, il y a quand même des effets secondes, tu vois, sur les pics qui ont été dévoilés, il y a plein de choses qui sont faites par des petits collectifs, et ça, c'est très 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 bien, c'est très très bien, donc je suis ravie, excusez-moi, j'ai mon pull qui glisse. Alors, on se concentre. On va prendre une carte des maîtres ascensionnés pour voir ce que ce 1er janvier va nous dire aujourd'hui. Et je vais couper. Alors non, je ne vais pas couper, je vais prendre la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est très très bien, c'est vraiment ce qu'il faut continuer à faire, c'est de choisir la paix. Alors, je ne vais pas vous prononcer le nom de la dame, je vais vous le laisser lire, mais on vous dit, choisissez la paix. Donc, il est temps pour nous de choisir la paix. De toute façon, nous allons entrer dans une, j'ai envie de dire, une ère harmonieuse, équilibrée. Il y a encore des hauts et des bas, hein, bien sûr. Tout n'est pas rose, hein, comme je vous le dis, mais... il va y avoir quand même des belles choses qui vont arriver, j'en suis sûre, certaine. donc, choisissez la paix, je vais vous lire la petite carte. Page 14. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez au options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Autre signification possible de cette carte, écoutez votre cœur car il dit vrai. Il existe une solution pacifique à tout conflit. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Pour connaître la paix intérieure, méditez et pratiquez le yoga. Donc, je vais vous remettre sous cette vidéo la petite méditation que j'avais créée, enfin,
avec les encouragements de l'archange Haniel. Donc, je vais vous mettre la méditation que j'avais faite avec, inspirée par l'archange Haniel. Et je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, un excellent début d'année. Mouah ! À bientôt !